Attends, je fais genre je suis AFK. Parce qu'ils sont devant moi, mais ils sont au spawn. Ils sont au spawn. Il y a Yuni devant moi. C'est bon, on a lancé, mais je suis là. Du coup, ils sont. Il y a Yuni qui est juste là. Bon, viens, on se barre, ça sert à rien. Quoi courir. Ouais, ouais, avant pas se détruire, ouais, ouais, ouais. Quoi, on remporte ta vie. Non, cours. T'arrêtes pas. T'arrêtes. Aïe, aïe, le flame. Aïe, aïe. Comporte. Ça va un bug. Ça fait un bug. Comporte ta vie. Pandax. Mec, c'était pas fair play. Pas de saut. Ah bon. Double bloc. Ouais, mais pas fair play, vous. Ah, oh, mais mec, j'avais eu un bug S, mais j'ai plus le temps de courir, moi. Putain. Attends, je me rassure. J'ai pas de stuff. Mais c'est pas grave, de toute façon, t'étais full jump, son enchant. Bah, même, là, il... en gros, je peux pas me faire de stuff, là, je peux des sneaks. Mais c'est pas grave, ils sont pas là. Hein. Ouais, mais de toute façon. C'est pas grave. Bon, bah, du coup, les gars, jour 7. Je perds encore des niveaux, ça me saoule. Sinon, ça me bon. Go farmer mec la TNT. Tout de suite. Genre maintenant. Ils en savaient pas, mais en fait j'avais écrit dans le chat. J'avais écrit dans le chat, j'avais dit ouais, deux secondes j'ai un bug. J'ai trouvé ça très cool. Je vais chercher. Oh putain, je suis perdu déjà. J'ai pas perdu grand chose en soi, mais c'est pas le chien. Je descends mec, je vais chercher le du des creepers. Le sable, il y en a, fais cure le sable. Non, il faut comment on fait des TNT? Du sable. Le sable et que... Tu sais en faire? Les mecs ils me disent machin, pourquoi je suis pas niqué. Mais je suis en ferme. Mais nickel, je vais chercher des creepers. Nanana. Putain, il y a pas de creeper. Ah si, en bas. De toute façon, j'ai mis de la gunpowder déjà dans les trucs. Regarde dans les coffres. Normalement, j'en avais posé déjà. Moi, je m'attendais pas à ce qu'ils étaient si proches qu'ils allaient nous attaquer en fait. Aussi, ça allait nous laisser les deux secondes. J'ai deux stacks dessus. On va faire un coffre à côté de l'endroit où on passe. On va mettre genre là. On va mettre de la stone. Du coup avec tout le diamant, mec, je vais faire ma stuff direct. Genre comme ça on pourra directement retourner fight. Par 4 stuff de rechange, ça suffira pour un essai. Prochain jour, les assauts, les gars. Donc là, on est tipar. On va. On va chercher des creepers. Putain, pas de creeper. Des araignées. Bah, on a chacun 4 stuff de rechange.
Bon, un peu déçu de ma mort, ça change pas grand chose. Voilà, ah, c'est bien. Petit plastron fort, le foutre. Du coup, il nous reste. Bon, j'ai gaspillé du diable, il nous reste un stack. De toute façon, en soit c'était pour du stuff, donc voilà. Il faudrait un bouton juste là pour. Là, il y a les assauts. Non, le prochain jour. Excusez-moi si dans le dernier épisode il y a eu des coupures, parce que j'ai fait un peu de la merde en fait. Puis en fait, comme normalement c'est sorti, on a tourné Run to the Pokken, j'avais dû changer mes touches, parce que F4 et F5 c'était des trucs pour changer de slot de sauvegarde. Il y a un peu des trucs. Donc j'avais laissé B et N, sauf que B c'était ma touche déjà pour F5, hein, et N c'était une touche pour arrêter le raid. Sachant que des fois j'écrivais dans le chat, ça m'a fait genre le dernier épisode, c'était en 4 parties, il y en a une de 3 secondes, une de 10 secondes, une de 16 minutes et une de 3 minutes. En gros, bah désolé si ça sera un peu bordel, mais c'est mon explication. J'ai pas de bouffe. Ah ouais, bah bouffe. Moi j'en ai, j'ai 5 côtelettes. Désolé pour les blocs qui font je pensais pas qu'ils allaient nous attaquer en fait direct. Et je me disais ouais, j'ai compris que j'ai pas dit. Bon, en soi c'est pas grave. Ça c'est un truc de ma soeur, faut que je lui dise. À chaque fois qu'elle rentre dans ma chambre pour venir voir ce que je fais, elle pense jamais à refermer la porte. Après t'as ma mère ou mon père qui passe, qu'il faut, dis donc c'est ouvert et tout, on peut venir. dis donc, c'est la fête ici. Et c'est la fête maintenant, elle vient, elle pose des questions, je réponds, après je fais, tu sais, sinon c'est censé être fermé. Qu'est-ce qui passe avant en fait. Mon poulet meurt. Enfin, plus des animaux. Je reviens avec 23 niveaux, tu sais quoi, je vais te faire ton stuff. Bah, limite, juste P1, Sharpness 3, et ça me suffit. J'ai un stuff potable pour me fight, parce que là en vrai, donc, 3 flèches, je suis mort. Alors une flèche ça me mettait un cœur et deux cœurs. Voilà, j'ai un peu de bouffe, c'est un peu la crise. Pas avec. Par contre, nous, notre muraille, on l'a que dalle améliorée parce que je pense être bien comme ça déjà. Je suis pas vraiment petit quelqu'un là à améliorer. Je pense pas. Je pense pas. Tu rentres. Quoi. T'as beau faire 12 000 protèques, à un moment ça sert à rien. Il faut au moins 2 TNT pour la péter, par contre. J'avais laissé une Fire and Breaking. Coordonnées de la base, c'est quoi déjà? Moins 110, moins 130, c'est ça? Moins 110, moins 130. Ouais, c'est ça, ouais. On va faire ça déjà. Sharpness 5, d'ailleurs. Je peux même pas faire ça? Ah, c'est bon. Pour équiper Diabs. Voilà, je suis en d'ailleurs. On a une Ender Pearl chacun. J'ai perdu mon seau d'eau, donc il faut que je réouvre. Je l'ai ouvert, je pense. Ça sert à rien de toute façon. Perdu. Après, le truc, c'est qu'ils ont grave l'habitude de faire des FK, ils savent comment jouer et tout. Ouais, une cradle. Moi, ça fait des années que j'en ai pas fait. Tiens, le problème, c'est que déjà, FK run, c'est le premier que je fais un FK. C'est la première fois que je fais un FK en run, on va dire. Je sais pas si c'est le premier, je pense pas. Non, c'est ça fait la 5ème fois. Ouais, du coup, ils savent machin, faire des vidéos et tout, faire flame dès le début, faire un spec, P3, des heures. Moi, j'avoue, j'ai même pas pensé au coup de l'arc.
peut-être j'y ai pensé au début, je me suis dit ouais, ça sert à rien. T'as combien de fil d'ailleurs? Bah, sur moi, 0, je vais mourir. Pas mal ça. Je risquais pas d'avoir. Faut que je farme les creepers dehors, ça risquait. Oui, vas-y. Ce qui est dans le grotte, y'en a pas en fait. Je vais pas y aller avec tout mon stuff. Je vais avec que dalle de stuff. Du coup, de seau d'eau interdit en dehors? T'avais pas dit ça à l'intro aussi? Semble pas qu'il s'avait dit ça. Bah, techniquement, FK t'as pas le droit de poser de bloc en dehors. FK t'as pas le droit, mais ils l'eau. Bah, je sais que déjà dans les FK, genre FK la siphonie ou je sais pas quoi, l'eau est considérée comme étant un bloc sauf si c'est dans la base adverse. Du coup, ils l'autorisent dehors, mais. Voilà, quoi. J'y vais à poil, je vais ranger la pioche. Mais non, faudrait que je rentre. J'y vais à poil, hein. J'ai pas envie de gaspiller. Ouais, je vais peut-être gaspiller une charpe fire. C'est pas ça qui fait la différence. Que eux, si on attaque dans leur base, ils pourront s'éteindre. Alors attends, là il y a un lapin en fond. J'ai l'impression qu'il y a même pas de mob dehors. Techniquement, on peut aller attaquer que les rouges. Hein. Et donc c'est vraiment ça, on peut pas attaquer les jaunes parce qu'ils ont leur rap en place. En soi, ils ont leur AP. J'ai pas envie d'attaquer les joueurs. Putain, mais c'est chiant. Donc on peut aller cacher les rouges. Le truc, c'est que eux ils vont y aller aussi. Ouais. Et ils vont s'ils gagnent, ils vont choisir Damien. Quelqu'un casse leur avant-poste. Bon, les. Bah, tu vois, est-ce que j'irais pas essayer de casser leur avant-poste? Tu peux, vas-y, no stuff. Ah, juste une épée fire. Non, t'es ouf quoi, prends pas une épée fire. Je suis niveau 30. Je... Bah, si tu l'as sur toi et t'es que dehors, vas-y. Bon. Bah, je suis déjà dehors en fait, je suis genre. Bah, vas-y. Là où je vois leur avant-poste. Bah, vas-y. Prends le risque. Bon, FK, faut prendre des risques, ouais. En plus, je vais me prendre un peu plus de steak, puis sinon, ça va être la merde. Ouais, je sais pas si c'est moins 110, moins 130 ou moins 130, moins 110. Moins 110, moins 130. Je fais le grand tour pour pas qu'il me voit. Monter. Toujours pas poser de blocs, les amis. On peut casser. Attends, t'es allé comme ça chez une. Ah, c'est là. Ouais, moi je suis allé juste avec une pioche. Même pas d'épée. Des risques. Il y a un bloc de psy qui partit en tout cas. Il va le chercher. Bon, du coup, tu veux que je t'enchante un stuff bien? Ouais. Il m'enchante des épées, bah on fait rien. Là, c'est bien parti pour être réussi, puisque là, ils m'ont pas vu, j'ai laissé. Donc, faut que je les récupère. Il y en a un là, j'ai les 4. Ah, tu les avais les 4 cassés, GG ça. C'est bon, là j'ai plus qu'à rentrer et tout. Enfin, rentrer. Bien joué ça. Très bien joué, après faut pop top. Parce que c'est un réflexe pour moi de poser des blocs tout le temps. Faut que je fasse gaffe. Ça, en fait, moi la plupart des FK que je fais, il est toujours un peu nul. Ça, je suis sûr qu'on peut faire que. En tout cas, on va dire que ma mort était la punition. Qu'est-ce qu'il y a ? Je passe à côté de Tony, il m'a pas vu. Comment il m'a pas vu ? Mec, j'étais en train de me dire, j'ai que... Il m'a pas vu passer juste à côté. Genre, je l'ai frôlé, quoi.
Genre j'étais même pas... je le voyais, il m'a pas vu. Bah en soi je pourrais toujours rush chez eux là en courant. Bah je pourrais rush le truc du milieu pour aller. Mais je pense Yoni, s'il a vu qu'il y a plus ses blocs, il va peut-être tenter d'aller camper le truc. Là je sais pas du tout où il est. Mais dépêche-toi de faire quelque chose. Je fais quoi mec, je fais quoi? Est-ce que je rush? Non, rush. Bah s'il est là-bas je suis mort. Il est là-bas. Ils m'ont vu, je suis mort. Non, rentre. Pas, ils sont sur le chemin. Je vais pas te mentir sur ce truc. Je t'ai mis ton stuff là. Tiens. Me dis, t'avais pas les TNT sur toi quand même. Je te fais tes écharpes là. Tiens. Non, dis pas. Est-ce que t'es en train de me dire qu'il fallait les TNT? Oh putain, mais aussi ils sont pas clairs, non mais ils répondent pas. Y'a je t'avoue, on m'a regardé, on m'a fait alors les règles. T'as compris? Là je suis parti voir un truc. Est-ce que dans leurs règles il y a marqué? Under. Bah non, on va pas mentir ça. Mais ouais, mais mec. Pose des blocs sur l'escalier de la. Interdit de poser des blocs sur l'escalier de la paix. Interdiction. Attends. Si vous serez le seul discours avec Minecraft, le même carte sur le mur, les murailles adverses sont interdits. Interdit de faire. Mettre le feu à la base. Poser des blocs sur l'escalier de la paix, bah c'est... on a pas... t'as pas posé de blocs. Ah, j'ai cassé. Bah voilà, poser des blocs en dans la main, c'est une gêne. Bah y'a pas marqué. Info... Autorisation... Dans les règles, c'est pas écrit interdit de miner. On va se faire défoncer. On va se faire défoncer. Ah, c'est pas écrit, hein. Ouais, dealer, de toute façon, vous les avez les blocs, donc c'est bon. Bah, ça veut dire aussi qu'on n'a pas le droit d'avoir les blocs rouges. En soi, c'est chiant. Ouais, mais aussi, mec, il y a trop de règles. Avant-poste, c'est pas de base. On n'a pas des fils. Putain.
Non mais dis pas, putain mais t'es con. Dis pas bear rip comme ça, pas grave. Bah en fait c'est Quête, pas... quête. Oh mec, épisode assaut. Un prochain épisode assaut. Ouais. Oh Salut. merde.